Des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. L'histoire murmure que c'est la dernière phrase que Louis XVI a prononcée avant de se faire trancher la tête. Mais qui était Monsieur de la Pérouse ? Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, était un marin d'exception. Il est né en 1741 près d'Albi. Rien ne le prédisposait donc à être un marin fameux. Mais cependant, il a été bercé tout au long de sa jeunesse par les récits de son oncle, marin lui-même, pour qu'en 1756, il entre à l'école des gardes de marine de Brest à l'âge de 15 ans. Et l'année suivante, 1757, il s'embarque pour son premier embarquement à bord d'un vaisseau de 74 canons, le célèbre. Et tout de suite après, dès 1759, il embarque à bord d'un vaisseau, le Formidable, pour sa première grande bataille contre les Anglais, mais oui, la bataille des Cardinaux. Puis entre 1760 et 1775, il a gagné tous ses galons de service sur de nombreux vaisseaux de la Royale, dont une campagne fameuse dans l'océan Indien en 1775, ainsi qu'aux Indes. Puis il fut nommé en 1781 capitaine de vaisseau à bord de l'Astrée pour apporter une aide financière aux insurgés américains aux côtés de la désormais très fameuse Hermione. En 1782, un épisode qui le marquera à jamais, l'épisode dit de la baie d'Hudson, il commande une escadre à bord d'un vaisseau, le Sceptre. Il gagne sa bataille avec les Anglais une fois de plus et il acquiert ce jour-là la reconnaissance éternelle du monde marin parce qu'il laisse la vie sauve à tous ses prisonniers anglais. Il est alors reconnu pour son humanisme et son sens naval. Puis fut décidé ce grand voyage. Grand voyage, d'abord dans un contexte historique favorable. C'est une période de trêve entre les Anglais et les Français, ce qui est assez rare pour être souligné. On est à la fin du voyage du célèbre capitaine Cook. Et c'est Louis XVI lui-même qui va élaborer les contours de ce périple, dont l'objectif majeur, officiel,
et de cartographier les confins méconnus du monde maritime et, bien évidemment, parce qu'il faut bien en garder un peu, concurrencer la suprématie anglaise et hollandaise sur les mers du Sud. Très officieusement, il s'agira également de découvrir de nouveaux comptoirs commerciaux. C'est un voyage quand même extraordinaire. Imaginez aujourd'hui le président Macron envoyer 25 scientifiques les plus connus de la planète sur Mars en leur disant « Mesdames et messieurs, vous avez 3 ans de voyage et on ne sait pas si vous reviendrez ». Alors pour ce faire, il affrète 2 bateaux, des flûtes, la portefaix et l'autruche, qui sont recarénés et qui sont transformés dans ces bateaux qui sont désormais célèbres, la boussole et l'astrolabe. C'est une expédition scientifique ambitieuse, 2 bateaux, 212 hommes d'équipage, 3 ans de navigation prévus, et on l'a dit, Louis XVI lui-même a élaboré les contours de cette expédition, 18 scientifiques parmi les plus réputés de l'époque, des géographes, des naturalistes, physiciens, minéralogistes, météorologistes, botanistes, armuriers, horlogers, et des astronomes. Et l'histoire raconte que parmi ces astronomes, celui qui a été sélectionné, c'est M. Roux-Darbaud, qui a été sélectionné à la place de Napoléon. Ça aurait certainement sacrément changé le cours de l'histoire si Napoléon avait été meilleur en mathématiques. L'autre objectif majeur de cette expédition, c'est de vaincre le scorbut. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, les marins français reviennent peu de ces longues échappées, tous atteints du scorbut. Donc la Pérouse, en bon scientifique, a essayé de bien calculer son voyage et a mis au point les paramètres du voyage suivants. D'abord, des denrées de première qualité sont chargées à bord des navires. C'est principal d'avoir absolument tout le temps de l'eau fraîche à bord, de la nourriture fraîche, et ces nourritures sont pour la plupart du temps embarquées et conservées à bord de tonneaux de saumure. Des préparations antiscorbutiques sont fabriquées grâce aux Anglais et aux apothicaires anglais. Nous sommes en période de trêve. Ces préparations vont permettre également de gagner du temps pour les marins dans leur navigation. Et puis chaque navigation ne devra pas dépasser 68 jours. Pourquoi 68 jours ? C'est l'idée qu'a développée la Pérouse de chrononavigramme. Après avoir étudié l'ensemble des voyages des marins anglais, il s'est aperçu qu'au-delà de 68 jours, forcément, nécessairement, on attrapait le scorbut, quels que soient les moyens de prévention que l'on pouvait mettre en place. Donc, il décide que 68 jours ne seront jamais dépassés entre 2 escales. Puis évidemment, une hygiène de vie à bord est imposée, une très forte hygiène de vie, avec une ouverture des sabords quotidiennes et des vêtements de rechange qui sont achetés pour les mers du Sud et pour les mers du Nord. Aujourd'hui, des vêtements de rechange, ça vous paraît trivial. À l'époque, ça n'était pas si courant et ça fait partie des innovations de M. de la Pérouse sur ce grand voyage. Alors quel est cet incroyable périple ? Cet incroyable périple est parti du port de Brest le 1er août 1785. C'était un jour d'agitation, évidemment. On imagine la France entière autour de cette expédition qui, la veille, a connu un mini-drame, puisque l'un des bateaux a pris feu, le bateau de la Pérouse lui-même, la boussole. Le feu a été circonscrit rapidement et on a jugé, les charpentiers de marine ont jugé que le bateau pouvait partir, que mécaniquement la coque pouvait supporter un long voyage. L'expédition est donc partie le 1er août 1785, puis a descendu le long de l'Afrique, les îles Canaries, le Cap Vert, est arrivé au 1er janvier 1786 en Amérique du Sud, a passé le Cap Horn et a fait une première étape dans l'île de Pâques, où on raconte évidemment ces haltes, dans lesquelles on fait de la nourriture fraîche ainsi que des aiguades. Ensuite, l'expédition s'est arrêtée dans la baie de Monterrey. Cette baie de Monterrey, aujourd'hui, on sait qu'elle a marqué l'expédition, en tout cas, elle a marqué la vie des archéologues ensuite, puisque dans cette baie de Monterrey, l'expédition s'est arrêtée et a décidé de déposer dans un couvent de carmélites l'une des 2 meules du bateau. Pour mémoire, chaque bateau embarqué à bord une meule pour faire quotidiennement sa farine et une meule de rechange. Donc chaque bateau avait 2 meules. À cet endroit-là précis,
l'un des bateaux, le bateau de Fleuriot de Langle, le bateau donc l'Astrolabe, a déposé une meule et parti. Nous reviendrons sur cet épisode un petit peu plus tard. Ensuite, l'expédition a œuvré d'abord en Asie, dans le détroit de la Pérouse, découvert le détroit de la Pérouse, et ensuite, au mois de septembre 1787, soit 2 ans après le départ de Brest, la Pérouse a déposé, sur la presqu'île du Kamtchatka, a déposé Jean-Baptiste Barthélemy de Lesseps, l'oncle de Ferdinand. Il a donc quitté cette expédition avec pour mission de ramener à cheval les livres de bord des 2 premières années de l'expédition. Faites le calcul, 18 mois à cheval. 6 septembre 1787, plus 18 mois, on n'est pas loin de juillet 1789. Louis XVI n'a donc jamais pu voir, n'a donc jamais pu avoir en main propre ces 2 livres de bord. Et ce qui justifie évidemment qu'en 1791, le jour où il s'est fait trancher la tête, il a demandé, a-t-on des nouvelles de monsieur de la Pérouse. Puis l'expédition est descendue dans les mers du Sud et une des étapes qui a marqué également la Pérouse est l'étape dite de Tutulia, qui se situe dans l'île de Tonga, dans l'archipel des Tonga. C'est une étape qui le marquera à jamais parce que nous sommes au XVIIIe siècle, nous sommes au siècle des Lumières et nous sommes au siècle des grands philosophes. Et les philosophes sont reconnus à cette époque-là pour déclamer l'humanisme général, l'humanisme ambiant de la planète. Et plus vous lisez ces fameux livres de bord qui ont été déposés au Kamtchatka, plus vous avancez dans le livre de bord de la Pérouse, plus vous sentez monter cette haine que monsieur de la Pérouse a vis-à-vis de ces philosophes qu'il appelle des philosophes de salon, qui ne connaissent absolument rien à la nature humaine. Pourquoi ? Parce qu'à Tutulia, il a envoyé 2 chaloupes pour aller faire une éguade, donc aller chercher de l'eau fraîche, et l'ensemble des personnels navigants des 2 chaloupes s'est fait littéralement assassiner par la population locale, les sauvages. Évidemment, la Pérouse a été complètement marquée par cette étape. Les livres de bord font état vraiment d'une énorme déception envers cette fameuse condition humaine et évidemment cette haine envers les philosophes. Puis, une dernière étape pour lui, ce qui fut sa dernière étape connue, dans la baie de Botany, l'actuelle Sydney, en janvier 1788. Et il envoie une dernière missive de ses 6 mois de navigation entre septembre 1787 et janvier 1788. Il envoie une missive en France pour dire « Cette fois-ci, je rentre, je vais passer par l'île de France, l'actuelle île Maurice, et je rentre au pays. » Et là, ce sont les dernières nouvelles que la France a eu de monsieur de la Pérouse. Surpris par l'une de ces terribles dépressions qui donnent naissance au cyclone. Plusieurs des navires décident de changer de cap pour remonter plus à l'ouest et trouver un passage dans la barrière. Le navire de tête, entraîné à toute allure, semble déjà en perdition. Sa seule chance, virer de bord avant les récifs. Faire face à la tempête. Thank you.
la vie reprend. Oui, la vie reprend. Pendant ce temps-là, en France, dès 1789, sa femme, Éléonore, se désole publiquement. Les services et les malheurs de mon époux ne peuvent avoir été oubliés du gouvernement. Puis, plus tard, c'est grâce à une pétition de la Société d'Histoire Naturelle qui va réveiller l'opinion. Monsieur de la Pérouse a peut-être fait naufrage sur quelques côtes désertes, d'où il tend les bras impatients vers la patrie. Et en 1791, l'Assemblée Générale Constituante proposera une récompense à qui donnera des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. Et cette même année, la première expédition d'Entrecasteaux frôle l'île de Vanikoro, n'aperçoit pas les feux au sommet de cette montagne, et les bateaux La Recherche et L'Espérance rentrent bredouille au pays. Et ce n'est que 30 ans plus tard, en 1817, que Peter Dillon deviendra l'inventeur officiel du site. Peter Dillon est un marin anglais qui commerce dans les mers du Sud. C'est le fils de l'inventeur des rhumeries Dillon, pour celles et ceux qui boivent du rhum, le rhum Dillon Ibon en Martinique. Et Peter Dillon, en naviguant près de Vanikoro en 1817, subit une mutinerie à bord de son navire. Et il arrive à contenir les deux mutins et il leur laisse la vie sauve. C'est marrant, quel clin d'œil à la Pérouse. Et 10 ans après, en 1827, il repasse près de cette île en se demandant ce que sont devenus ces marins. Ces marins se sont mêlés à la population locale. Ils parlent le dialecte mélanésien et ils sont pour lui de formidables traducteurs de ce naufrage. Et que dit ce naufrage? Que dit la tradition orale en 1827? Elle dit, un soir où les arbres fruitiers de l'île sont tombés, donc un soir d'ouragan, deux grandes pirogues à voile sont arrivées sur le récif. L'une est restée plus d'une nuit, l'autre a coulé immédiatement. De ces deux pirogues sont sortis des êtres maléfiques qui tiraient le feu. Beaucoup n'ont pas été rescapés des eaux, mangés par les requins, les crocodiles de lagon ou noyés. D'autres n'ont pas été rescapés de terre, mangés par nos ancêtres, qui étaient anthropophages. Et elle dit également que ces marins ont quand même, pour une partie, pu reconstituer une palissade, et 6 lunes plus tard, ils sont repartis ailleurs. Alors immédiatement, la France s'organise, et Dumont d'Urville, et en 1828, un an après, s'arrête à Vanikoro et va confirmer les récits de ce chef de village, et il va confirmer la découverte d'un site. Rappelez-vous, il y avait deux bateaux, mais là on trouve un site, le site dit de la Fausse Passe, et il en profite pour tracer d'ailleurs une des premières cartes archéologiques sous-marines à l'aide de tonneaux de fond de verre. Il va répertorier au fond de l'eau les canons, quelques-uns parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'était une expédition pacifique, les ancres ainsi que quelques pièces. Il va réussir à relever certains de ces objets pour les ramener en France et confirmer effectivement que Monsieur de la Pérouse a vraisemblablement fait naufrage sur l'atoll de Vanikoro. Puis à partir de là, de nombreuses expéditions se sont succédées, car à ce moment-là, nous ne sommes en présence que d'un seul des deux bateaux. En 1883, d'abord, le lieutenant de vaisseau Beignet fouille la Fausse Passe. Il va rapporter lui aussi des canons, des ancres, mais ne découvrira pas pour autant le second site. Et au XXe siècle, les expéditions se sont enchaînées. 1901, 1938, 1953, avec notamment Haroun Taziev, le vulcanologue. 1958, quelques visites de l'île, mais on n'arrive toujours pas à comprendre. On n'arrive toujours pas à retrouver ce second bateau. Donc on n'est pas certain, finalement, que ce sont bien les expéditions de Monsieur de la Pérouse qui sont ici, même si des objets ont été découverts. Et c'est en 1962 qu'un Australien, Rhys Discombe, découvre le second site dit de la Faille. Immédiatement après, la France envoie le capitaine de vaisseau de Brossard pour la Marine nationale qui va faire un gros travail et remonter à la surface plusieurs milliers d'objets qui vont confirmer qu'on était bien en présence de ces deux bateaux. On ne connaît pas à ce moment-là le scénario, on ne comprend pas pourquoi un tel marin fameux comme la Pérouse a pu s'échouer sur ces récifs. On le voit dans le film de reconstitution. Ce sont des îles que la Pérouse n'avait pas sur ses cartes. Et donc, le soir où les arbres fruitiers de l'île sont tombés, il a entendu gronder le récif, mais ces bateaux, à l'époque, sont peu manœuvrants. Il entend gronder le récif,
Et comme, qu'est-ce qu'on fait quand on entend gronder le récif et qu'on sait qu'on va naufrager? On envoie toutes les ancres à la mer. Et on l'a vu sur le film, toutes les ancres ont été envoyées à la mer. Mais cette île, qui est très volcanique, est aussi très pentue dans ses fonds sous-marins. Et on passe sur une longueur de 50 mètres, de 0 à 200 mètres de fond. Et quand les ancres ont croché le récif, il était trop tard. Le bateau était lui-même déjà dans le récif. Et il s'est enfoncé dans le récif par l'arrière. Et depuis le début des années 80, l'association Salomon, fondée et présidée par un autre grand marin, Alain Conant, qui vient malheureusement de nous quitter, a déclenché un certain nombre de campagnes en 1981, en 1990, puis toutes les campagnes suivantes que je vais vous décrire, pour essayer lui aussi de comprendre. On a deux sites, on a deux bateaux, quel bateau sur quel site? Qu'est-il arrivé à ces marins? Quel est exactement le scénario du naufrage? Y a-t-il eu des survivants? Si oui, combien? Et où ont-ils vécu sur l'île? Et s'ils sont repartis, où sont-ils arrivés? On n'a trace nulle part de ces marins. Dans cette expédition, c'est une expédition de collecte d'objets. On essaie tout de même de comprendre, grâce aux objets, où se situe-t-on dans le bateau, mais c'est difficile. On trouve des objets magnifiques. Vous voyez ce Christ en bronze, des piles d'assiettes en étain, ce casque de dragon. Des objets, et ça, ce qui est magnifique dans ces expéditions, c'est que nous avons les livres de bord des expéditions. Donc on sait exactement par où ces marins sont passés, et chaque objet correspond à une des escales de cette expédition. Donc vous allez pouvoir trouver dans l'archéologie sous-marine aussi bien des objets inuits que des objets européens. Et ça, c'est extraordinaire. Vous avez également de la vaisselle, de la porcelaine, des porcelaines de Macao, en grand nombre, dans un état de conservation remarquable, et également des mollusques, des animaux marins. Il faut se souvenir, c'était une expédition scientifique. Et tous les scientifiques, pendant 2 ans et demi avant le naufrage, ont collecté des espèces, ont fait leur collecte, ont répertorié ces espèces, et on va également, lors de la fouille sous-marine, s'intéresser non seulement aux objets, mais également aux animaux que l'on va trouver au fond de l'eau. Et on découvrira, grâce à ces fouilles, que vous avez ici des exemples, d'ormeaux ou d'abalones, qui sont donc endémiques de certains lieux de la planète, et on découvrira, grâce à ces animaux-là, tout le parcours de la Pérouse. On pourrait reconstituer, sans avoir eu les carnets de bord, via les monnaies ou via les animaux marins, on pourrait reconstituer ce fameux parcours de circumnavigation de la Pérouse. Alors quels sont les résultats en 1999? On a découvert une grande quantité d'objets, on a fouillé quasi totalement ce fameux site de la fausse passe, celui où le bateau s'est tanké, où les marins ont pu sortir des objets, et on est arrivé à comprendre. On a sorti un canon. Mais l'identification est encore incertaine. Était-ce le bateau de la Pérouse? Était-ce le bateau de Fleuriot de Langle? Quel est le scénario du naufrage? Sont-ils repartis? On n'en sait rien. Et cependant, à terre, en même temps que l'archéologie sous-marine, l'archéologie terrestre travaille, et à terre, on pense avoir découvert le camp des Français. Mais cela nécessite une nouvelle expédition.
Alors cette expédition arrive en 2003, c'est la plus grande expédition scientifique jamais organisée, une expédition scientifique et humanitaire, à bord des archéologues sous-marins, évidemment, des archéologues terrestres, des médecins généralistes, dentistes, médecins légistes, anthropologues, géophysiciens, électroniciens, informaticiens, entomologistes, un conservateur de musée, un restaurateur électrochimiste, un bateau de recherche, la LIS. Un bateau qui est dédié à 25 plongeurs, 5 tonnes de matériel, un robot sous-marin, un groupe électrogène. Vraiment, la plus grande expédition scientifique jamais organisée à la recherche de monsieur de la Pérouse. Un temps de trajet pour aller sur site, 24 heures de vol pour aller jusqu'à Nouméa, 6 jours de mer, 5 mètres de creux pendant 6 jours, une durée de fouille d'un mois, un budget de fouille de 160 000 euros, le bateau, voici que voici, et une fouille à terre qui démarre. Et une fouille à terre dans des conditions, évidemment, des conditions mélanésiennes, des grands trous, de l'eau, des chutes d'eau en permanence, et une fouille à terre qui permet cependant de relever un certain nombre d'objets. Une fouille en mer qui, comme ça, pourrait paraître magnifique, l'eau de mer de Vanikoro est à 32 degrés, une visibilité de quasiment 100 mètres permanente, c'est un milieu évidemment éminemment accueillant. Mais ça ne dure pas longtemps dès lors que les archéologues entrent en scène avec leur suceuse à eau, leur suceuse à air et leur balayage permanent du sable à la découverte de ces objets. Balayer le sable, identifier les objets, mesurer les objets au fond de l'eau, tels sont les travaux quotidiens des archéologues. Découvrir quelques objets, évidemment. Ici, deux petits canons de chaloupe avec des numéros de série qui permettent là encore de confirmer que nous sommes bien en présence des bonnes épaves, des balles de plomb, des boutons ou des monnaies qui permettent là aussi de réécrire le parcours de la Pérouse, des sceaux de prestigieux, des éléments de pierre à poncer, un élément inuit magnifique de poids, du fil de cuivre, des quantités incroyables de fil de cuivre et de plaques de cuivre. Pourquoi des plaques de cuivre? Parce qu'à l'époque, on calfeutrait en fait les bateaux de plaques de cuivre pour éviter que les animaux marins ne viennent ronger les coques en bois. Et ces fils de cuivre servaient à faire le troc avec quelques perles, servaient à faire le troc avec les populations locales. Le travail de l'équipe de fouille en permanence était dense, 20 heures de travail par jour, sortir les objets de l'eau, les identifier, les référencer, les photographier, les dessiner, les conditionner, se documenter. Comprendre, arriver à comprendre. Et en 2003, un fait marquant, la découverte d'un squelette. Vous allez me dire, vous êtes archéologue, c'est plus normal. Sous l'eau, des squelettes, c'est assez rare. Parce qu'en règle générale, quand un corps se décompose, en moins de 3 semaines, tous les ossements ont disparu. Dans l'histoire de l'humanité, rares sont les cas où des squelettes ont été découverts. Et celui qui a été découvert là était quasiment entier. Pourquoi il était entier? Parce que, et on le sait désormais, parce qu'au moment du naufrage, il était dans sa cabine et vraisemblablement blessé avec une jambe cassée. Donc ce squelette a été prélevé soigneusement, a été conditionné, il est rentré en bateau à Nouméa, il a pris un vol pour le Bourget à Paris, il est parti du Bourget à Nantes en voiture, imaginez ce quel voyage pour lui. Un retour en TGV vers l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale pour une identification, une autopsie complète, des radiographies. Les radiographies qui ont montré qu'il avait des balles de plomb dans le cerveau, dans le crâne en tout cas, et on s'est tout de suite posé la question du suicide. Mais vous êtes tous médecins légistes comme moi, et vous voyez que ce crâne, il n'y a pas de trou. Et donc ces balles de plomb sont arrivées après la décomposition du corps dans le crâne. Donc il ne s'est pas suicidé. Donc là, on a fait une enquête scientifique complète, radiographie, scanner, mesures caractéristiques principales des ossements, prélèvement d'ADN évidemment, taphonomie, hein, l'étude de l'impact de l'environnement sur la dégradation des ossements. Et quels ont été les résultats? C'était un homme, c'est rassurant parce qu'il n'y a pas de femme à bord, normalement, officiellement. C'était un homme de type européen, avec un âge estimé, d'après 3 facteurs, entre 32 et 33 ans. Et ça, c'est un élément important parce que je ne vous cache pas que le jour où le squelette a été découvert, tout le monde pensait que c'était monsieur de la Pérouse. Mais on ne peut pas imaginer, si on est marin, que monsieur de la Pérouse, ce grand marin, au moment du naufrage, va aller se terrer dans sa cabine.
Donc, c'était quelque part assez rassurant. Une taille estimée entre 1m67 et 1m68, des signes particuliers, un menton prognate, bruxomane, hein, monsieur qui grince des dents, un bras gauche cassé après l'adolescence, une jambe plus courte que l'autre et une fêlure. Qui parmi les membres d'équipage pouvait bien correspondre à cette identification et une dentition parfaite? Quelqu'un de haute volée. Parmi ces gens-là, trois candidats, Gaspard Duché de Vancy, un dessinateur, 32 ans, l'abbé Mongès, 33 ans, un abbé physicien, et Géraud-Sébastien Bernizet, d'un jeune âge, entre 30 et 32 ans, l'ingénieur géographe de bord. Une reconstitution faciale a été réalisée à l'IRCGN, et une reconstitution a été réalisée également par le travail d'Elisabeth Dénès, voilà, pour estimer, en fait, imaginer quel était ce marin. Donc voilà le marin découvert sur les épaves de la Pérouse. Et à ce jour, l'enquête qui a été menée, et notamment via l'ADN, n'a pas pu donner de résultats parce que, ça va rassurer les femmes, l'ADN mitochondrial est le plus costaud des ADN vis-à-vis de la dégradation en eau de mer. Et cet ADN mitochondrial vient de la mer. Et donc quand on refait les recherches ADN pour trouver qui sont les descendants de Monsieur de la Pérouse, on ne peut pas absolument pas trouver de descendants. Alors, l'ultime découverte, une dernière plongée, on découvre une meule à grains. Alors rappelez-vous l'arrêt au couvent des Carmélites à Monterrey. Je vous ai dit, chaque bateau avait deux meules. Vous voyez ici sur les bateaux ces moulins avec chacun deux meules, plus une meule en réserve. Lors de l'escale de Monterrey, l'expédition avait lâché une meule. Et donc la découverte de cette meule, étant donné que sur le site on en avait déjà découvert une sur chaque site, cette découverte pouvait laisser penser que sur le site de la faille, on a bien l'épave de Monsieur de la Pérouse. Donc résultat, suspicion, quelques faisceaux d'indices, site de la faille, la boussole, le bateau de la Pérouse, site de la fausse passe, l'astrolabe, le bateau de Fleuriot de l'Angle. En conclusion de cette fouille 2003, conclusion tout de même mitigée, on a bien retrouvé le camp des Français, hein, qui avait été découvert en 1999. Il a été confirmé, mais il est quand même borné. On a réussi à le borner, un camp d'une dizaine de personnes. La tradition orale mentionnait quand même que 50 à 60 personnes avaient survécu de ce naufrage. Le site de la faille a été fouillé, et on a bien compris le mécanisme du naufrage, et c'est celui qui vous a été restitué dans le fragment de film que l'on a vu tout à l'heure. Ce bateau qui arrive par l'arrière, la découverte du safran et la cabine de la Pérouse, qui en premier va se cannibaliser dans le récif. L'épisode de la meule à grains qui nous fait quand même penser qu'on a une présomption forte sur l'identité de la boussole dans ce site de la faille, et la découverte d'un squelette qui nous permet de penser qu'on va pouvoir remonter à son identification. C'est une fin de fouille qui est censée être définitive en attendant les résultats de l'identification, mais on a tout de même bien l'intention de revenir. Et nous revenons en 2005.
la plus grande expédition jamais organisée sur les traces de la Pérouse. Cette fois-ci, un navire de la Marine nationale, le Batral Jacques Cartier, 80 mètres de long, 55 hommes d'équipage, 60 chercheurs à bord, avec un but commun, résoudre enfin l'énigme de la Pérouse. Archéologues, entomologistes, géophysiciens, chirurgiens, dentistes, physiciens, dessinateurs, un ethnolinguiste, des conservateurs restaurateurs à bord pour essayer enfin de comprendre. Des conditions de vie à bord difficiles, évidemment, de la promiscuité, des bains communs permanents, dans une eau à 30 degrés, beaucoup d'otite. Et une première étape, une sécurisation du site. Au marteau-piqueur, parce que là, on sait que la cabine de la Pérouse est dans le récif. Donc au marteau-piqueur, on va venir scinder en deux cette partie du récif pour essayer de trouver cette fameuse partie du navire. Rassurez-vous, dans une eau à 32 degrés, le récif repousse très très vite. On essaie de démarrer la fouille et on commence là également à prélever. Et des objets commencent à remonter. Vous voyez là des bouteilles en verre, des monnaies. Vous voyez là un chauffe-plat en porcelaine de Macao. Un compas de relèvement avec une préservation remarquable des éléments, avec le compas de relèvement qui est en bronze. Et vous avez cette feuille de mica en fait qui permet au compas de fonctionner. De la verroterie d'apothicaire évidemment, comme on voit là, de la verroterie de salon, dirons-nous, des verres, des bouteilles, dans un état de conservation remarquable, des faïences, des porcelaines, notamment des porcelaines de Macao, ce fameux chauffe-plat en fait hein, de Macao. Donc on a là encore une série d'objets, et chaque fois que les expéditions sont parties à la recherche de la Pérouse, chaque fois des milliers d'objets ont été remontés. Aujourd'hui, le musée maritime de Nouméa, qui est dépositaire de la collection, possède plus de 25 000 objets de cette expédition. Et des objets emblématiques évidemment. Un sablier en parfait état de conservation, un petit compas, un casse-noix, donc des objets qui quand même ont passé les âges dans ce récif cannibalisant. De la verroterie d'apothicaire, je l'ai dit, et quelques pièces emblématiques. Vous avez là deux carreaux de remplacement du château arrière du bateau, ainsi qu'un bois brûlé. Donc rappelez-vous, 1er août 1785, la veille du départ, le bateau brûle, et là on trouve une pièce de ce bateau de la Pérouse sur le site de la faille qui a brûlé. C'est une preuve, une fois de plus, que nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons bien deux sites, deux bateaux. Le bateau La Boussole sur le site de la faille, le bateau L'Astrolabe sur le site de la Fausse Passe. Et puis le fait marquant de cette expédition, c'est la découverte d'un sextant. Un sextant appartient à un marin. Et ce marin ne s'en sépare jamais. Si l'on découvre un sextant et qu'on comprend à qui il appartenait, alors bingo, on a le fait, la preuve irréfutable de l'identification du navire. Et puis ce sextant, quand il est découvert, outre son état de conservation remarquable, on a pu constater une inscription. Vous le voyez ici, cette inscription qui tout de suite a fait l'objet de grandes discussions. Alain Conan, le chef d'expédition, y voyait un H ici, suivi d'un E. En ce qui me concerne, je voyais un M. Et on s'est un peu écharpé pendant quelques minutes avant de commencer à travailler sur le sextant pour savoir si c'était bien un M ou un H et un E. Et puis le chef d'expédition, c'est le chef d'expédition, c'est la science. Monsieur Conan était l'encyclopédie vivante de la Pérouse. Et il savait, lui, que le sieur Edward Ernst, fabricant de sextants anglais, avait confié à monsieur de la Pérouse un sextant pour sa grande circumnavigation. Moi, je ne le savais pas. Et j'ai lu un M. On a commencé à dessiner l'objet. Et après l'avoir dessiné, j'ai commencé à travailler sur l'objet et à nettoyer cette concrétion pour avoir le cœur net. Oui, c'est bien moi. Le temps passe. Et j'ai commencé à travailler sur cette concrétion. Au début, cette concrétion, elle figure comme ça. Et donc, à l'aide de micro-outils, micro-scalpel, micro-burin, j'ai commencé à travailler sur la concrétion. Et puis, petit à petit, j'ai vu apparaître des lettres, de plus en plus de lettres. Et là, j'ai pris peur.
quelques heures après avoir travaillé sur le sextant, je lisais Mehmet. Et là, je me suis dit, ils ne me croiront jamais. Parce que je me suis enfermé et j'étais seul. Et j'ai lu Mehmet, et alors là, des gouttes me sont tombées. J'ai essayé de travailler un petit peu plus sur la concrétion. Mais pour finir, j'ai quand même découvert le nom de Mercier. Et ça m'a beaucoup rassuré. Ça n'a pas rassuré le chef d'expédition. Mais en ce qui me concerne, j'étais sacrément rassuré. Donc voilà cette découverte, Mercier. Alors là, le chef d'expédition a failli faire une attaque. Parce que, non, c'était Edouard Ernst qui avait fourni un sextant à la Pérouse. Et Mercier, inconnu. Après avoir travaillé quasiment 8 heures sur cet objet, c'est lui qui s'est enfermé 8 heures dans sa cabine et qui a repris en fait toutes ses notes, 12 000 pages qu'il avait à sa disposition, pour essayer de retrouver dans ses feuilles de documentation si le sieur Mercier avait bien donné un sextant. Et il a trouvé, dont par la Société d'Histoire Naturelle, et on comprend pourquoi en 1791, la Société d'Histoire Naturelle a lancé une pétition pour rechercher M. de la Pérouse. Monsieur Mercier avait été mandaté par la Société d'Histoire Naturelle pour réaliser un sextant pour M. de la Pérouse. Et donc ça a été le témoin, le signe absolument marquant qu'on était bien en présence du navire de la Boussole. Et un an après la restauration, sur une autre partie du sextant, on a trouvé Mercier à Brest. Les restaurateurs de la Nouvelle-Calédonie ont trouvé Mercier à Brest, ce qui confirmait la découverte faite sur site. Donc en conclusion, pour ces résultats de la fouille 2005, on a bien deux sites. Vous avez ici un dessin de l'atoll de Vanikoro et notamment de la barrière de corail. Vous avez un site ici qui est décidément et définitivement le site de la faille où la Boussole, le bateau de la Pérouse, a fait naufrage. Et c'est à cet endroit-là que la Pérouse, en 20 minutes, a coulé. Et puis vous avez ici le site dit de la fausse passe. Le bateau a cru voir de loin une fausse passe pour rentrer dans le lagon et il s'est tanké sur un récif. Il a pu sortir quand même quelques objets. Certains ont pu survivre. Mais voilà, on a cette année-là définitivement compris le site. Mais c'est une fouille qui reste inachevée. On a subi des temps absolument exécrables et beaucoup de plongées retardées. Mais à ce jour, encore, en 2005, aucun objet de la Pérouse n'a été découvert. À part ce fameux pommeau d'épée trouvé au cou du chef du village par Peter Dillon en 1827, qui est devenu monsieur de la Pérouse. A-t-il été rescapé, lui aussi? Mais ces rescapés, que sont-ils devenus? On ne le sait toujours pas. C'est pourquoi, en 2008, on a organisé la plus grande expédition jamais organisée sur les traces de la Pérouse. Un nouveau batral, le Dumont d'Urville, le bien nommé, et on est reparti, et on est reparti, et on est reparti. Alors je dis, oh, mais moi je suis pas reparti, parce que moi je venais de créer ma société ici, mais ils sont repartis pour nous, ils nous ont ramené des musiques, dont on vous fait profiter ce soir, et ils ont ramené quelques objets également, des centaines d'objets relevés également, mais toujours cette question, que sont devenus nos marins rescapés ? Et en 2017, nouveau rebondissement, et la venue de M. Hitchcock, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Le maître du suspense, M. Garrick Hitchcock,
a découvert dans un journal et a publié dans le Journal of Pacific History la découverte d'un article dans un journal indien en 1818 qui décrit les conditions de sauvetage d'un lascar, qui est un tout petit bateau genre coque de noix, nommé le Sheikh Jumal, sur l'île de Moray Island, dans le détroit de Torres. Le détroit de Torres, c'est au nord de l'Australie et c'est juste en dessous de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette fabuleuse histoire continue donc et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Mesdames et messieurs, musiciens, facteurs d'instruments, ethnomusicologues, c'est Henri Maquet qui a composé tous ces arrangements. Et c'est un vrai plaisir, évidemment, de travailler avec Henri. Et je voulais vous expliquer le fondement de cette conférence. Vous l'avez compris, je suis parti plusieurs fois sur l'île de Vanikoro. C'est une expédition fabuleuse, cette expédition de la Pérouse, mais humainement, les expéditions que j'ai vécues étaient également fabuleuses. Et chaque fois que je suis rentré de Vanikoro, j'ai fait des conférences et je voulais restituer cette dimension humaine parce que chaque soir, couché du soleil, les habitants du village embarquaient sur les pirogues des instruments de musique et nous faisaient une pause musicale quotidienne, couché de soleil. Et ça, ça ne peut pas être décrit, ça ne peut pas même passer en vidéo, il fallait que ce soit restitué en live. Donc en 2008, je vous ai mentionné que je n'avais pas pu partir, mais j'ai demandé à l'équipe de Thalassa d'enregistrer des musiques, et on a travaillé sur ces musiques pour vous restituer ces moments de pause. Et c'est pourquoi, pendant les moments de pause musicale, on a aussi diffusé des images des villageois, du village, des pirogues, parce que c'était des moments pour nous absolument fantastiques, et j'espère qu'on a pu vous les faire partager. Bravo, bravo. Non. Merci à vous en tout cas, merci d'être venu et bonne soirée.